Alors Cédric, c'est quoi cette histoire de graffard? Donc en fait, c'était de reprendre tous les rideaux de fer qui étaient moisis sur les puces de Saint-Ouen et de pouvoir donner à tous les artistes qui ne savaient pas où se placer, à part dans les endroits un peu illicites, sur un endroit où chacun peut exprimer son art. Donc j'ai fait une sélection en fonction de chacun et chaque commerçant. Le plus dur, c'est le commerçant avec le graffeur, de trouver l'équation pour qu'ils se rencontrent, qu'ils s'entendent et qu'on puisse avoir des résultats comme ça. Bonjour, je voulais savoir quel était votre nom d'artiste. Serti. S-E-R-T-I. Y. Y, ah pardon. Vous avez accepté le projet de Cédric, enfin de Graffard. Ouais. Et comment ça s'est passé en fait? J'ai eu des échos par des amis du projet qui était en train de se réaliser ici. On m'a donné des coordonnées. J'ai téléphoné à Cédric et puis je lui ai demandé comment se passaient les démarches pour pouvoir participer. Il m'a expliqué, j'ai envoyé à mon book. Et puis à partir de là, il a décidé si je faisais partie du projet. Vous faites quoi en tant que professionnel? Je suis graphic designer, j'ai un studio de design. Ah d'accord. À Ivry-sur-Seine. Ah d'accord. Et il s'appelle comment votre studio? Studio Broz. Broz? Oui. B-R-O? Z. Z. Voilà. D'accord. Ben, on ira tous voir alors, eh ben, sur le site. Avec plaisir. Merci. De rien. Au revoir.